Mesdames et messieurs, vous voyez que je suis submergé, que je ne peux même plus m'exprimer parce que tellement la foule est compacte et immense. Nous sommes à la place de la République et nous sommes en train de nous diriger actuellement vers l'Élysée. Notre histoire, c'est qui? L'histoire du Cameroun. Le Cameroun est debout. C'est des dizaines de milliers de Camerounais qui se sont déplacés à travers les États-Unis, à travers l'Espagne, la Grande-Bretagne, à travers le Royaume-Uni. C'est terrible. Vous avez dit? Et regardez la grande sécurité avec voilà comment est-ce qu'on encadre une manifestation. Ce n'est pas comme au Cameroun. Regardez comment est-ce qu'une police républicaine encadre les manifestants. C'est ce qu'on demande dans les dictatures, que la police puisse encadrer les manifestants. Et justement, c'est pour cela que nous sommes là, en direct, pour vous montrer, au-delà des dictatures, ce qu'un peuple peut revendiquer sur le territoire français, avec la police républicaine qui encadre super bien les manifestants, qui ne tire sur personne. Jusqu'à présent, il n'y a qu'un mort. En direct du Cameroun, j'espère au moins que ce message est passé, où vous avez pu voir comment est-ce que la police fait son travail correctement. Voilà. Restez là-bas.
travail. C'est ça. Voilà. Nous sommes, comme vous pouvez le constater, oui. Si tu refuses d'être ministre de la communication, nous, tu aurais un problème avec nous. Oui, justement. Selfie là. Voilà, merci. Le meilleur. Mesdames et messieurs, oui. Honorable à tous ceux qui sont là. La voiture va arriver. Avec mon cher frère et combattant Raymond Foucault, on le met bien à la place de la République. Oui. Salut les gars. Oui, salut. La révolution camerounaise en marche parce que c'est ici que ça se passe. Ah, bien sûr que avec tout ce qui se passe au Cameroun, le régime tyrannique a cru qu'il allait faire que le peuple se démobilise. Mais le peuple camerounais reste debout. Ils sont venus de tous les coins d'Europe. Ils sont venus des États-Unis. Ils sont venus du Royaume-Uni. Ils sont venus d'Espagne, d'Italie. Pour venir se retrouver ici à Paris. Et mesdames et messieurs, vous pouvez constater la marée humaine qui est là sur les rues de Paris pour dire non au tyran Paul Biya. 87 ans, donc 37 ans au pouvoir. 37 ans de dictature. 37 ans de meurtre. 37 ans de tuerie. 37 ans. Et maintenant, il nous ajoute la cerise sur le gâteau, à savoir le génocide dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce peuple camerounais a compris le jeu de ce régime qui est totalement dirigé, régenté par la France, pour la France, pour exploiter le peuple camerounais sur toutes ses matières premières. Aujourd'hui, l'enjeu est là. Ce n'est plus le tribalisme. C'est tout un peuple uni qui est là. Donc, les voilà, vous voyez comment.